Livre de l'Apocalypse, chapitre 4. Après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Du trône sortaient des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant à la face d'un homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants y ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Et ils ne cessent de dire jour et nuit, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. » Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent, et qu'elles ont été créées. »